Salut à tous, c'est Natcom. Aujourd'hui, je découvre mes anciens customs. Ça fait hyper longtemps que je les ai pas vus. J'ai trop hâte de les revoir. C'est parti, là, je suis trop pressé. On y va. Avant qu'on découvre les customs qui sont sur ma droite, je vais vous remettre un peu dans le contexte. Alors à l'époque, il y a 3-4 ans environ, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait déjà Natcom et je faisais des vidéos dessins et un petit peu de custom, voilà, donc ça m'arrivait de faire un petit peu de custom mais beaucoup moins que du dessin. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me suis complètement arrêté de faire des customs et tous mes customs qu'on va découvrir qui sont juste là, ils sont partis à la cave et donc ça s'est complètement arrêté. Et là, il y a environ une semaine, je me dis tiens, ce serait cool de faire une vidéo où je redécouvre mes anciens customs, donc du coup, je suis monté à la cave, j'ai tout redescendu, j'ai essayé de pas trop me spoiler même si ça a été un peu compliqué parce que du coup fallait bien les descendre. Donc voilà, on a énormément de choses à voir, du coup il y en a certains, on va devoir les passer rapidement et donc c'est parti, on y va. Ok, alors le premier custom c'est une boîte. Donc ça c'est le seul custom qui fait pas vraiment partie de mes customs de à l'époque puisque je l'ai fait l'an dernier pour le collège, c'était en art plastique, regardez ça. Du coup là pour faire les vagues à l'intérieur, j'ai mis des morceaux de plastique que j'ai fait fondre. Donc en fait j'ai pris un morceau de plastique, j'ai pris une allumette, je l'ai fait chauffer et donc du coup ça a ondulé, donc du coup ça fait des vagues, vraiment c'est incroyable. Ok, ensuite on a une boîte Natcom, voilà, Natcom en feu, Natcom en eau, toujours avec le signe YouTube parce que je vous avais dit que j'avais une chaîne YouTube à l'époque. Voilà, ensuite un custom vraiment juste incroyable. Une carte Pokémon géante. Là, on a le petit Pokémon Gobu. Là, on a même des petits décors en bleu que j'avais fait. Franchement, ça, c'est une super idée. J'ai même fait tous les contours en jaune. Non, franchement, ça, c'est un custom vraiment très abouti. Ici, j'avais même mis mon petit logo Natcom. Voilà, le logo, je vous le mets juste ici. Bon, il est un peu vieux, mais il faisait largement le taf. Après, les amis, on a un mini skate. Voilà, un bébé skate. J'ai fait un petit bonhomme en eau qui coule. Ensuite, le custom d'après, en fait, c'était juste une construction. Mais après, je me suis dit, tiens, je vais le customiser. Donc, voilà la construction, un avion. Je faisais des trucs de fou avant. Ça y est, les amis, on arrive déjà au dernier custom. Mais franchement, celui-là, je les garde à la fin parce que celui-là, il est vraiment super beau. Il y a une super idée. Celui-là, il faudrait aussi que je m'en rappelle. Waouh, franchement, celui-là, il est incroyable. En fait, c'est du Mario, vraiment. C'est parti d'un niveau de Mario. C'est juste incroyable. Donc, si j'arrive à trouver un skate que je peux customiser, je ferai ça. Vraiment, évidemment que je ferai ça là. Ça y est les amis, vous avez découvert avec moi tous ces customs. Il va bientôt y avoir de gros projets sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour un prochain custom. Bye.